Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu fatidique pour moi, parce que je suis pas très bien. Là, je fais genre que tout va bien, etc. Non, en fait, je vais pas bien du tout. Aujourd'hui, c'est une vidéo, un challenge. Je pense comme Tiffany Katz, pensez positif. Je suis un énorme petit dolma, dolma. Petit dolma, c'est bon, un dolma. Non, pour tu ne montes pas. L'autorité. En fait, Kat Von D m'a lancé le challenge de créer un make-up de Noël. Vous savez quoi? C'est la seule fois de ma vie où vraiment je fais des efforts pour me maquiller, c'est le soir de Noël avec toute ma famille. Au moins pour Noël, je me mets un petit coup de pression et ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser les Fetish Palettes qui se trouvent juste ici. Donc ça va être assez rigolo. J'espère juste que ça vous plaira, que Kat Von D sera contente, qu'elle se dira pas « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Comme j'ai de quoi m'amuser, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympathique. Voilà. Donc j'ai déjà fait les prémices du teint. Donc c'est-à-dire juste mettre de l'anticerne et du fond de teint. Après je ferai le reste avec les autres produits. Mais on va commencer donc par le plus gros du gros, c'est-à-dire le make-up des yeux. Donc c'est parti. Alors, déjà je vais faire un truc parce que ça va m'énerver sinon. J'aime pas me maquiller avec les cheveux, etc. Les bébés cheveux, donc au cas où. Voilà. C'est mignon, joli. Et des roses, des piques, tout ce que Kat Von D va adorer. Alors allons-y. Excusez-moi, j'avais un poil de Loki dans la bouche. Je vais commencer avec une petite base, donc une base neutre, donc avec un sublime. Attendez, regardez-moi ça. Donc Kat Von D a créé des pinceaux, évidemment, qui sont également cruelty-free, donc non testés sur les animaux. On ne fait pas de mal aux animaux, hein. On peut faire des produits de qualité sans faire du mal aux bébés phoques, donc voilà. Donc là, en fait, elle a créé un pinceau avec l'étui dedans. Donc en gros, c'est même plus veux-tu m'épouser, c'est veux-tu devenir make-up artiste. Oui. On y go. Un pinceau, deux embouts, très bien. Donc on va commencer par Safe Word. J'adore faire ça. Let's go. Allez. On travaille comme ceci sur toute la paupière. On remonte un petit peu pour faire le code crease. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hein, parce que sinon, ça fait un peu pile ou face. Et comme on n'est pas dans le joker. Voilà. Donc, save word est posé. Pour le moment, ça va. Je me débrouille. Ensuite, on va prendre rubber. Qui est comme ceci, qui est un noir extrême. Un peu comme mon âme. Une fois que j'ai pris rubber, je vais le travailler donc tout à l'intérieur pour faire le cut crease. Attention. Donc on travaille d'abord, on dessine. Comme ça on se loupe pas. On dessine tout doucement. On prend son temps. Le problème des tutos make-up, c'est que très souvent quand on vous filme, on vous fait des cuts pour que ce soit moins long. Mais un vrai make-up, ça prend du temps parce qu'il faut chauffer le produit, chauffer la matière. Mais vous inquiétez pas, tout met un peu de temps, mais après une fois que c'est bien fait, on est tranquille. Donc là, j'ai dessiné mon cut crease. Donc maintenant, je peux prendre rubber de façon un peu plus soutenue et le travailler à l'intérieur. Après, on va doucement le fumer. Voilà, et maintenant je le fonds. Une fois fait à gauche, on le fait à droite. Là, j'utilise des couleurs qui sont très foncées. Donc n'hésitez pas à y aller petit morceau par petit morceau. Si jamais c'est votre première fois, n'y allez pas franco. Hein. Voilà, donc la première étape est faite. Maintenant, ça va être la partie la plus rigolote. Puisqu'il va falloir tout justement mettre donc le pigment gold. Donc en l'occurrence, moi, je vais utiliser le Chastity. Quoique le Submissive, il est pas mal non plus. Alors attendez, on va swatcher les deux. Donc, ça donne ça. Je pense que je vais utiliser Chastity parce qu'il est vraiment joli. Donc ça pareil, vous le prenez au doigt, il n'y a pas de souci. On le prend comme ceci et après on le pose sur la paupière mobile. Tout simplement comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et je reprends le pigment qui est juste sublimissime. Si vous voulez un peu plus de détails, je vais le remonter un tout petit peu, mais pas énormément, parce que sinon après on verra plus le cut crease, juste pour que ça se fonde bien. Voilà. Je reprends l'autre embout, il y avait du noir dessus, et je refoute un tout petit peu les côtés pour accentuer un petit peu plus le noir en fait, hein, tout simplement. Voilà. En dernier, je renettoie mon pinceau et je prends fixation. J'en mets un tout petit peu en haut. Voilà. J'enlève juste les bouts. Les petites pellicules qui sont tombées, quoique il n'y en a pas énormément. Toujours avec mon petit pinceau, je vais prendre Safe Word. La base que j'ai mis en haut, je vais la mettre en bas de l'œil, comme ceci. Donc là, ça fait très fort et le reste, ça fait très fade, mais vous inquiétez pas, après, il y a le contouring, tout ça. Donc, je vais prendre toujours mon petit embout et j'ai bien envie de mettre un peu de vert. Juste une petite touche de vert. Donc, je vais prendre Shibari et je vais mettre là, en bas. Un tout petit peu, hein.
mais je le fonds. Voilà, c'est très léger, pas plus que ça. Ça suffit bien. Alors ensuite, j'ai reçu un petit cracker, ce qui est trop mignon, comme ceci. Regardez-moi, c'est trop mignon. J'aime trop les crackers, mais j'ai jamais su les craquer. Moi, je le déplie bien, je suis un peu dingue. Là, il manque une petite touche d'eyeliner, je trouve. Ça tombe bien. Donc j'ai reçu un petit crackers avec donc le Tattoo Liner, qui est pour moi le meilleur eyeliner du monde, hein, je pense qu'il y a... Voilà. Et un rouge à lèvres également, donc dans un crackers comme ceci, qui se vend également chez Sephora. J'ai jamais réussi à les craquer. Est-ce que je vais réussir? Je sais que le principe c'est de le craquer, mais moi j'ai trop peur de le casser. Voilà, moi j'ai juste enlevé le plastique. Ah! Donc le Tattoo Liner et donc le rouge à lèvres Double Dare, et ça tombe très bien, parce que c'est une teinte que je voulais utiliser. Oh, qui sent terriblement bon le sucre. Toujours pareil, hein. Non testé sur les animaux, vegan, la totale, Kat Von D, elle a tout compris. Done! Donc évidemment, avec du liner et du mascara, ça change tout. Maintenant, on va s'occuper de finir la base de mon teint. Je vais utiliser la Fetish Blush plus highlighter, donc toujours de Kat Von D. Cette fois-ci, vous avez les couleurs, mais... Alors, je vais utiliser un pinceau de chez Kat Von D toujours. Alors, je vais venir prendre Salem, qui est un orangé comme ceci, avec un pinceau blush. On réchauffe le teint. Et ensuite, je vais venir appliquer mon highlighter. Donc, je vais prendre le Magic, qui est un corail, mais juste sublime. Et je l'applique juste au-dessus de mon blush. Le make-up est presque terminé, il ne me reste plus qu'à mettre mon petit rouge à lèvres. Attendez, d'abord je le sens parce qu'il sent trop bon. Il sent la barbe à papa, avec des chamallows dedans. Et pour un peu plus de festivité, je peux prendre un petit peu Magic en highlighter, donc, et le poser sur mes lèvres. Et voilà, ce make-up 100% Kat Von D est maintenant terminé. Donc mes cheveux, je les laisse comme ça parce que j'aime bien, voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai reteints en noir. Il y aura toujours des reflets roux parce que j'ai des reflets à cajou depuis toute petite, mais j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que pour vous, c'est une réussite. Parce que pour moi, un petit peu... Non, c'est joli. Bonsoir. Donc merci beaucoup à Kat Von D de m'avoir fait confiance, de m'avoir challengé sur ce tuto. Des fois, les challenges, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser un pouce bleu pour prouver que je suis capable de faire des tutos make-up. Merci, s'il vous plaît. Tous les produits utilisés dans cette vidéo sont évidemment disponibles sur Sephora. Donc là, en l'occurrence, la Fetish Eyeshadow Palette qui est à 59€. La Fetish Face Palette qui est à 39€. Et en dernier, le petit Holiday Crackers qui est à 20€. Et faites plutôt vite parce que c'est une édition limitée. C'est juste pour les fêtes que Kat Von D nous a fait tout ça. Donc voilà, moi je les ai. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Merry Christmas à everybody in the world. Ne mangez pas trop, faites attention parce qu'après les résolutions, elles commencent extrêmement mal dans l'année parce qu'on n'y arrivera jamais. Hein, le perte de poids c'est une horreur, on s'en fout, mais pourquoi je raconte ma vie? De toute façon, encore une fois, les produits utilisés, je vous les mets en barre d'infos, donc n'hésitez pas, en sachant que Kat Von D, bah, moi c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup parce qu'elle est vegan, elle ne fait rien sur les animaux, comme quoi on peut faire des produits de qualité et ne pas faire du mal aux animaux. Sur ce, j'ai mon sapin à terminer, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Ciao.